Bonjour à tous amis, ici, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo de Noël, un petit peu dans le thème de Noël, voilà, je pense que ça se voit finalement. Non, c'est trop mignon, regardez la petite boîte aux lettres. Je vois pas trop en fait, j'ai des grosses lumières là, donc vraiment je vois pas du tout le retour, mais elle est trop mignonne. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, bien évidemment par rapport au calendrier de l'Avent, parce que comme vous aurez pu voir cette année, il n'y a pas eu de chasse au calendrier de l'Avent. En effet, mais par contre, ça veut pas dire que j'ai pas de calendrier de l'Avent. Bah, ceux qui se sont fait arnaquer dans le titre, bah voilà. Regardez, on a tout mis dans un sac. Très Noël, je sais pas si c'est fait exprès d'ailleurs. On le voit pas ton sac. Oui, je sais, mais il est très beau en fait, j'avais pas vu. Il est trop mignon. C'est pas des calendriers de l'Avent Primark, je vous assure, il y en a même pas un Primark d'ailleurs. Il est rempli de calendriers de l'Avent, il y en a même de l'autre côté aussi. Mais du coup, si vous voulez, je vous explique déjà pourquoi tant de calendriers de l'Avent qui n'ont rien à voir entre eux, et pourquoi si peu de calendriers de l'Avent beauté, puisqu'en fait je crois qu'il n'y en a qu'un. Ou ouais, peut-être deux. Il y en a trois, mais il y en a deux. Il y en a trois? Oui, mais il y en a deux, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Non, en vrai, si vous voulez, je vous explique un peu mieux maintenant. Et après, je vous parlerai, je vous montrerai les calendriers de l'Avent, du coup, que j'ai finalement choisi. Donc, alors, pourquoi déjà pas de chasse au calendrier de l'Avent? On a visualisé pas mal de magasins. Vraiment, je vous jure, c'est, je pense, la chose que j'ai fait le plus, aller dans les magasins ces derniers temps. Sauf qu'en fait, au final, il y en a pas beaucoup qui me plaisaient. Je suis pas tombée trop amoureuse, à part du Sephora favorite, mais qui est à l'heure d'aujourd'hui introuvable, d'accord. Je le trouve nulle part, c'est super compliqué de le trouver. Je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Mais c'était vraiment, je pense, un de mes calendriers préférés. Sinon, les autres du style Asos, Marionaud, etc., etc., ils sont tout aussi bien que les autres années, mais en fait, je les ai pas prises pour une simple bonne réponse, pour une simple bonne raison, c'est qu'en fait, les produits, ils en changent que quelques-uns. Donc forcément, le reste, je l'ai déjà. Et ça sert à rien que je reprenne le même calendrier de l'Avent pour avoir les mêmes produits, vous voyez ce que je veux dire. Si je prends les calendriers de l'Avent un petit peu, genre c'est dans l'optique de découvrir de nouveaux produits. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu spécialement de vidéo chasse au calendrier de l'Avent, parce que je voyais pas l'utilité d'aller en prendre plein différents, etc., pour faire du contenu, alors qu'au fond il me plaisait pas forcément. C'était pas drôle, écoutez, je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine. Je pense que il y aura plus de produits qu'on pourra retrouver qui se différencieront des années précédentes. Et donc du coup, écoutez, j'en viens aussi par rapport au contenu qu'on va vous faire. Donc là, on a... Attendez, je vais compter tous les calendriers de l'Avent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc bon du coup, après avoir recompté 12 fois, il y en a 13. Voilà, c'est déjà énorme. Mais vous allez voir, vraiment, les calendriers de l'Avent entre eux, ça a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. Et donc, si vous voulez, avec tout ça, déjà, le but principal, c'est ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Ça, c'est le but. Mais je vous explique déjà, moi, j'en ai 3 que je vais ouvrir. Enfin, réellement, j'en ai 4, mais il y en a un. Ça sert à rien que je le fasse avec vous. Je vous expliquerai pourquoi. Je l'ai même pas pris, il est dans ma chambre. Voilà, il en manque un. Je vais le chercher. Wait! Quand ton père, tu peux l'entrer. They don't love you like I love you. Wait! Et donc, du coup, je disais, il y en a un, bien évidemment, donc c'est celui-ci que je n'ouvrirai pas avec vous, puisque bah, c'est un livre. Et que l'ouvrir, je peux, mais le lire avec vous, non. Donc, en soi, vous racontez ce qu'il y a dedans, ça fait un peu bête. Voilà. Le livre est magnifique, hein. Voilà, c'est-à-dire que bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas le principe, moi je ne connaissais pas l'année dernière alors qu'il y avait déjà ce concept-là et pourtant que j'aimais déjà lire. Sauf si tu fais des podcasts, Lily, hein. C'est une idée, mais dites-nous en commentaire, est-ce que vous voulez des podcasts du livre du calendrier de l'Avent? À ce moment-là, allez-y en commentaire, des podcasts carrément du livre du calendrier de l'Avent pour ceux qui l'auraient pas et qui voudraient avoir l'histoire. Bon, écoutez, vous nous direz ce qui vous intéresse avec ce livre. Mais du coup, voilà pourquoi du coup, je peux pas vous le mettre dans mes vidéos calendrier de l'Avent. Donc moi, je vais vous tourner des petits contenus avec 3 autres calendriers de l'Avent. Donc ces contenus-là que vous allez pouvoir retrouver sur mon compte TikTok et en short sur cette chaîne YouTube. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et donc après, tout le reste se passe sur Gabin et Lily. Ah, pas trop de Lily, Gabin et Lily. Voilà. Mais bon, du coup, moi, je vous mets le compte TikTok. Et en gros, et ben, c'est là où on va ouvrir tout... Cela. Un calendrier par jour. Ah oui, bah oui, non, je vous ai même pas dit le principal, c'est que du coup il y en aura que un par jour. On va peut-être pas faire ça sur tout le mois de décembre, on va voir. Si ça vous plaît, on continuera. Si ça vous plaît pas, on continuera pas. Mais bon, écoutez, déjà, je vais commencer par vous présenter ceux qu'on a pris pour ouvrir un par jour.
C'est parti. Déjà, le jus Sabrino. Il est trop bien. Enfin, je sais pas. Dedans, il y a des trucs au jambon, nature, à la noix, épicée. Et puis, voilà. Il y en a des, il y a des bâtons, des bâtonnets. Et puis, il y a des trucs apéritifs comme ça, là. Voilà. En plus, il est mignon, il est choupi. En même temps d'être jaune, comme la marque, bah, il est quand même Noël. Donc, j'aime bien. Après, ceux qu'on a vraiment le moins réfléchi, tu vois, à l'achat du truc, on s'est même pas posé la question ni une ni deux. Genre celui-là, tu vois, je... Là, je sais pas trop. Là, je vois vraiment pas l'avenir. Celui-là vient de chez Action, si jamais ça vous dit. Si jamais vous voulez la ref. Ouvrons-le quand même. Non, parce que ça, celui-là, c'est le premier que j'ai acheté en plus. Pourquoi? Non, mais vraiment, pourquoi? Je sais pas trop. Parce que t'aimes les princesses. Oui, parce que c'est mignon, les princesses. Tout le monde aime les princesses. Ah, non, c'était dur, hein. Vous êtes ready ou quoi? Mais c'est choupi. Bon, c'est un Noël un peu vert et rose, mais bon, pourquoi pas. J'ai envie d'ouvrir la première case, je vous jure. C'est trop mimes. De toute façon, vous inquiétez pas, genre là, tout ce qu'il y a là-dedans, si jamais je m'en sers pas, ça va pas être jeté. Genre, je donnerai chez des amis qui ont soit des petites soeurs, soit des petits... Je sais pas. Bon, je donnerai à quelqu'un si jamais ça me plaît pas vraiment. Hein. Ok, après ça, j'ai jamais compris pourquoi Gabin, il a fait cet achat. Du chocolat à l'orange. En fait, je sais pas. Il a pris ce calendrier de l'avant, genre, je crois, chez Normal. Et il s'est dit, mais c'est parti. En plus, personne aime le chocolat à l'orange chez nous. Ah oui, on va leur faire la mamie. Mais je vous assure, il coûtait pas très cher. Mais quand même, c'est pas une raison. Donc, oh non, du chocolat. Bref. Ce sera l'exception du truc, vous voyez. Oh bah mince. Ah non, j'ai cru que j'avais déjà ouvert une case. Non, en fait. En plus, je crois que c'est tous les mêmes chocolats. Bah oui. On va continuer sur les plus banals. Et pas banaux. Ah, là, je suis corda au calendrier de l'avant. Un Malteser qui fait extrêmement beaucoup de bruit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a plus de batterie les caméras. On se retrouve après, hein. Vous savez quoi, le cadre il a un peu changé, je crois. Mais en fait, c'est quand on met une nouvelle batterie, bah des fois, bah ça zoom. Posez pas de questions. J'en étais au petit calendrier de l'avant Malteser qui fait énormément de bruit. Et on continue. Celui-là, en vrai, tu vois, je sais pas. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on a tous les pays en termes de bonbons. Genre, il y a même pas de nom en fait. Candy Collection. C'est écrit en allemand, je crois. Zéro blague. Ah d'accord. Donc en gros, la première langue, là, le français, dites-vous, il arrive en troisième. Bah voilà. Bon, écoutez, on verra bien, mais il me fait peur. Regardez la tête du Père Noël. Non, il est terrifiant. Il est terrifiant. Les toutous, ils font un dodo. Là, je leur ai mis le pull de Noël. Je vais prendre une photo, je vais la mettre, Lily. Trop mignon. On va continuer dans les bonbons. C'est le Looky Look. Non, Loco Look. Loco... Allez, voilà, c'est celui-là. Christmas calendar. Et en fait, bah, dedans, du coup, on peut retrouver des petits bonbons. Comme par exemple, je sais pas, des manteaux. Vous savez, les colis bonbons. Pourquoi il y a un lapin? Il me fait un peu de la peine. Bref, des sucettes. Bon, des bonbons. J'ai l'impression qu'avec le temps, je suis de moins en moins bonbon, mais de plus en plus chocolat. Après, on passe sur un chocolat, quand même. Un Kinder, évidemment. Incontournable. Celui-là va être très... chocolaté. Alors oui, mais très, comment dire, ennuyant. À ouvrir, puisque ah, finalement oui. C'est que du Kinder Bueno. Une case sur deux, t'as soit du Kinder Bueno normal, soit du blanc. C'est pas grave, vous savez quoi, on verra. Sauf que bah, du coup la dernière case elle est grande comme ça, on imagine bien que bah c'est forcément un Kinder Bueno en entier. J'aime bien regarder où est la 24e case. Ok. Et donc après je crois qu'on arrête avec les chocolats. Voilà ce calendrier là de, je crois, Nestlé. J'ai failli dire Lindt. Oh mais c'est trop mignon. Bon ou pas. Comme si on avait rien mis, d'accord. Ok, voilà. Dedans les chocolats ils ont l'air d'être très innovés, vous voyez. Et j'ai très hâte de goûter. Ouais, il y en a qui ont l'air d'être franchement pas mal. Donc voilà pour en ce qui est en ce qui concerne les chocolats, je parle pas très à la France. Et donc après on finit avec un petit peu, oui je sais pas qu'un petit peu, c'est beauté. C'est celui de chez Action, c'est le Max & More. Déjà comme ça il est un petit peu mignon, ça fait un peu, vous voyez les boîtes de chocolat là. Les boîtes de chocolat Champs-Élysées. Mais oui de fou, je vais l'ouvrir parce que pareil je l'avais pas ouvert non plus. Ah mais d'accord, carrément il y a une boîte et tout là. Bah si, il est sympa. Oh. Voilà.
Oh, et c'est que, dis donc, action Oh, mais oui, pas mal. Voilà. Oh, mais c'est... Il y a limite du potentiel, tu vois. Ouais, si, c'est sympa, non? Et ils ont un peu d'aide de calendrier de l'avant, là. Bon, ça tient pas très droit, leur affaire, mais c'est pas grave. C'est pas mal, j'aime bien. La 9e case est énorme. Mais en fait, c'est le château de Versailles, le truc, on dirait, avec les jardins. Tout à fait. Et donc, dernier pour, en ce qui est des contenus pour Gabin et Lily. Je pense que vraiment, vous avez jamais vu un calendrier de l'avant comme ça. Mini brand. Brands, pardon. C'est, voilà, c'est genre, c'est... Non, juste ça, genre c'est trop mignon. Genre c'est tout, plein de trucs. Mais en tout petit. Vous pouvez pas me dire que genre vous connaissez pas. C'est trop mignon. Et donc on vous avait déjà unboxé des petits trucs comme ça. Mais en fait, de... Oh. Je sais pas s'il spoil ou pas. Ouais. Imagine. Zéro blague, si c'est les mêmes trucs qu'il y a dans les cases, c'est pourri. Non mais imagine, ils spoilent à fond là. Oh non, ce serait pas drôle. Bah je crois que c'est ça, hein. Bah attends de regarder du coup. On le verra ça, le moment d'ouverture. Mais voilà, écoutez, on ouvrira ça ensemble. En vrai, j'ai un peu hâte. Je suis sûre que ça va être bien en vrai. Voilà, donc pour ce qui concerne donc, les contenus qu'on va vous faire avec Gabin en TikTok. Et donc maintenant, les contenus que je vais vous faire moi. On a trois calendriers de l'Avent. Pour commencer, un calendrier de l'Avent que clairement tout le monde connaît. Un Kinder, évidemment. Hein, le basique, en fait, le basique du basique. Voilà, là, t'as tout ça. C'est très, 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 très incroyable. On adore, on kiffe. Voilà, c'est sympa. Après, là, ça commence à devenir un peu sérieux. Regardez. Tada! J'ai pris le Nick cette année parce que il est trop beau. Ah bah pour une fois que je peux le montrer comme ça, regardez. Il est beaucoup trop beau. C'est maman, j'ai raté l'avion et il est magnifique. Voilà, ça c'est le mot de Noël, ça vous voyez. Et toute la collection de Nick, c'est incroyable. Ils ont sorti une petite pinata. Elle est trop belle. Bref, et donc du coup, voilà, donc dedans, là, si vous voulez pas vous spoiler à savoir quel produit il y a dedans, si jamais ça c'est toutes les teintes qu'il y a, qu'on peut retrouver dedans. Voilà, franchement, il est super bien. Et donc, comme j'adore leurs produits, parce que vraiment, NYX, je trouve que c'est pas cher pour des super bons produits. J'adore. J'ai très très hâte de l'ouvrir. Voilà pour le NYX. Et après, pour finir, un calendrier. Donc, du coup, il y avait le livre. Et là, un calendrier de l'Avent. Je pense que il y a vraiment une personne sur je sais pas combien qui a ce calendrier de l'Avent. Tellement, je sais pas. Un calendrier de l'Avent puzzle. Qui a un calendrier de l'Avent puzzle? Je vous explique, attendez, j'ouvre d'abord. Le but c'est de faire ce puzzle là et en gros bah tous les jours dans chaque case, donc là on a le modèle en grand, j'aime bien, et donc là tous les jours, tac, vous avez une petite case. Bon, ils ont pas été très drôles parce qu'ils ont fait dans l'ordre, comme ça. Ils auraient pu bah tu sais faire je sais pas 1, 2, 3, 4, enfin vous avez capté. Mais bon voilà, ça reste mignon. Et donc bah vous avez une petite partie à faire. Vous faites votre partie et à chaque fois, bah du coup, vous allez rajouter. Et du coup, ça va vous faire un puzzle. Donc écoutez, je vais voir comment est-ce que je pourrais vous le tourner. Mais ça peut être pas mal. Il y a 1008 pièces. C'est perturbant. Genre, ils auraient pas pu s'arrêter à 1000. Genre, juste 1000 pièces. Pourquoi le 1000? Il fallait que ça soit divisé par 24. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, voilà, voilà. Non, franchement, il est trop mignon. Bon, bah voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu juste avant qu'elle se termine. Je voulais juste vous dire que Gabin aussi va publier des contenus sur ses TikTok parce qu'en fait, il va tout simplement faire aussi lui. Bref, mais dans son coin, on va le laisser, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas plus présenté ce qu'il allait faire ou quoi. Donc écoutez, je vous laisserai aller voir. Et voilà, sur son compte TikTok. Avec Gab YouTube, je crois, je sais même pas. Je crois qu'il a deux calendriers de l'Avent à ouvrir. Et écoutez, bah voilà, c'est tout. Donc sur ce, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et rendez-vous le 1er décembre. Bisous bisous. Let's go to the ocean. Yeah, let's go.